Bonjour à tous les petits potes, nous sommes dans l'automobile galactique avec Ludivine, Marie-Ange et Gaël et Lorraine. Toujours là en fait. On va s'arrêter sur Lorraine un petit moment parce qu'on a beaucoup de trucs à vous dire. Nous sommes partis à 11h du matin. Il est quelle heure actuellement? Il est 14h45. Il est 14h45. Et Lorraine elle me dit, genre elle avait déjà plus de bave, elle faisait Rabouibri, il y a un problème. Je lui dis, c'est quoi le problème? Ah ouais, je peux pas dire, je lui dis, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, on s'arrête, faut que j'explique. Je dis, moi tout seul, moi je peux pas dire, je lui dis, quoi? Et là, elle me dit, on n'a pas la valise avec toutes les tenues des filles. Voilà, en fait, on a tout, mais en fait, on allait faire la soirée. La dame elle allait être habillée comme ça, genre en dimanche après-midi elle allait être en papier. Et toi? Amazing, j'aurais été en Naruto et Lokiti. Et puis il y avait les nouveaux sweats jaunes. Ouais, aussi. Ouais, ça aurait fait un peu une soirée chantier quoi. Mais voilà. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter. On va rejoindre Alex et Petit Q. Et du coup, Lorraine va faire demi-tour avec Gaël pour récupérer les affaires à Paris et aller jusqu'en Bretagne parce que c'est où Gaël? Pardon. Et ce week-end, on est en Bretagne, à côté de Vannes, dans le 5 et le 6. Ça fait le 5 ou le 6. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette nouvelle vidéo. C'est parti. Ça déchire. Nous sommes arrivés sur les rails d'autoroute. Du coup là, il y a Petit Cum qui monte avec nous, avec le petit nouveau Alexandre. Comment ça va Alexandre? Bonjour, vous êtes qui? Nous sommes l'Internet. Ah bah bonjour Internet, enchanté. Enchanté l'Internet. Là on va voir Petit Cum, il est où Petit Cum? Petit Cum! Ça va? Ça va? Ouais, changement de voiture. Ouais apparemment, j'ai un peu à tout raconter. Hein? C'est une galère noire. Ah ouais, tu vois? Oh le panda! Bah j'ai tout rafistolé. Hein. T'as rien oublié? Moi? Ouais. Non. Normalement? T'es sûr? Je pense, ouais. Est-ce que t'es venu avec ton petit cul? Toujours avec mon petit cul. Il monte ton petit cul? Voilà, là, il est venu avec son petit cul! Ça y est? Bah, demi-tour? C'est 6 heures de route, quoi. Ouais, ça va être trop bien. Que, franchement. Pour les gens qui seront à la soirée ce soir, qui regardent le vlog lundi, ouais. Ils ont intérêt à dire dans les commentaires que ça valait la peine. Ouais. Ils ont vraiment, parce que vraiment... On va les éclater, hein. Ouais. Ouais. Voilà. Bonne chance. Bah bonne route, hein, salut les filles. Merci. Buenas noches, guten dias. C'est-à-dire bonne route en polonais. Il a dit, il a pas trouvé plus gros. De van? Ouais, il a dit on aurait dû prendre un camping-car. Il est beau le van, c'est le van de Jérôme en live. Ah ouais? Il est gentil Jérôme. Ouais, il nous a gentil. Prêté le van. Ça, ah, t'es venu avec ton petit buzzer? Ah ouais, appuie mais je vais en faire deux tout à l'heure. Appuie dessus. Encore? Ouais. J'adore le bruit. Les Bardi, direction le LS Club. Où ça le LS Club? En Bretagne. En Bretagne, pour manger des... Des crêpes. Pas des gaufres. Des gaufres. C'est pareil, ça même pas. Hein. J'avoue. Faut pas nous faire chier, ces bretons. Bon, les petits potes, on est arrivé à la boîte. On va vous faire visiter un petit peu. Let's go. Ça marche. Je sais pas si ça filme. Non. Est-ce que ça filme? Ah bah si, ça filme là. Ouais. J'ai piqué la caméra de Roby, faut pas lui dire, il est pas au courant. Qu'est-ce que tu fais, bolos? Rien. Ça filme là, on est d'accord? Ça filme, il y a un petit point rouge. Ah, c'est que ça filme. Ok, je te laisse faire ta life. On est arrivé en Bretagne, au LS Club. En Bretagne, on va revoir tous nos petits bretons. Voilà, on est trop contents. Et moi aussi je fais des vlogs, regardez, je vous présente Maribou, juste ici. Allez, je vais vous montrer la boîte où on est arrivé, donc on est au LS Club. Alors, comment on fait? Est-ce que si je tourne comme ça?
Ah, comme ça. Alors, là, ça sera la grande salle. Alors, petite confidence. Hop, je me retourne vers moi. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les boîtes de Bretagne, il y a toujours des podiums comme ça. Genre, il n'y a qu'en Bretagne qu'on peut voir les podiums comme ça. Va gonfler un peu. Il est où, petit cul ? Et elle est où, la caisse à outils ? Je suis en train de mettre les pieds. Voilà, pour faire du trampoline. Je vais vous montrer un petit peu dehors. Bon, comme vous devinez, le temps en Bretagne, bah, je vous laisse deviner, il fait pas beau. Voilà. Bon, allez, on va gonfler les gonflables. Sinon, Roby va m'engueuler parce que j'ai bouffé toute sa batterie. Voilà, allez, à plus. Il y a Lulu qui a filmé, je sais pas du tout ce qu'elle a filmé. On verra ça au montage. Là, on va voir Serge, le patron. Bonjour Serge. Ça va ? Ouais, à fond. À fond la forme ? Je mixe. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu prépares la playlist de soir ? Non, pas du tout, c'est toi qui l'as fait. Ah ! Coup dur. J'espère que t'as pas de musique. J'ai pas de musique. Je suis un DJ sans musique. Bah, moi j'ai un titre. T'as une musique pour moi ? Ouais, on pourra la mettre en boucle. Oh, toute la musique, toute la soirée. De toute façon, il y a les filles qui vont danser, ils vont voir que elles du feu. Elles savent chanter, Tu chantes un peu, toi ? Waouh ! Je pensais pas qu'on va s'en sortir. Ça va ? Si, ça va. Ouais. Non, en fait, non. C'est une catastrophe. En fait, non. On va se mettre un petit fond musical, tranquillement, ouais, pour ouais. La préparation. Ok, très bien. Alors, on est où ? On est OLS, c'est où ? Est-ce qu'on est au fin fond de la Bretagne ? Non. Non, c'est où ? On est à Serran. Ouais, à Serran. C'est un peu au fin fond, mais... Non, on est... C'est en fait, on est dans le sud. Dans le sud ? Là, t'es dans le sud, là. Le sud de la Bretagne ? Oui. Ah, pardon. Ok, trop bien. Donc, entre Vannes et Plou, Hermel. Plou, Hermel. Plou. Plou, Hermel. On prépare, ça va être... Ça va être... Un truc de... Ça va être culte ? Ah, ok. La façon qu'on tient, toi. Tout ça ? Normalement, il y a des personnages. Si tout va bien, s'ils trouvent la boîte. S'ils trouvent la boîte. Ouais. Ça, c'est pas gagné. Hein. Voilà. Le petit cul, il a mis le dino avec Alex. Il est en train de le dompter là-bas, là. Tu le dresses, là, ou pas, là ? Là, c'est chaud, hein. Ah, ouais ? C'est costaud. Aïe, aïe, aïe. Allez ! Vas-y, continue. Vas-y. Allez, vas-y. Allez. Adopte-le. Allez. Allez ! Allez ! Allez ! Saute ! Enfin ! Je vais vous montrer vraiment, on est au milieu de rien. Là-bas, on a vu des chèvres en train de ken. C'est tout ce qu'on a vu de vivant, quoi. Et au milieu de tout ça, bah, y a une boîte. Une très belle boîte et vraiment immense, quoi. Putain, y a trop de vent, mais franchement... C'est stylé. Et Star Trek, hein. Star Trek, hein. Oui. Voici notre génie qui arrive avec une palette. Ah, c'est parfait, ça. C'est un peu pour ça, ça va faire un peu de poids en dessous, parce que là, le dino, il a envie de vomir, là. Ben, merci beaucoup, monsieur. De rien. Là, il y a petit cul, hein, comme tous les week-ends. C'est notre petit MacGyver. Ça va, tu t'en sors ? Moyen ? Ouais, t'es coincé une couille ? Ouais. On retrouve MacGyver qui a mis Serge le lama. Serge. Ah putain, y'a le patron qui s'appelle Serge aussi. Est-ce qu'on ce soir il s'appelle toujours Serge ? Le lama ? Ouais. Serge le lama. Toujours ? Toujours Serge. On laisse. On laisse. Et y'a Bob. Toujours là, Bob. Où ce soir je mixe là. On a mis une Pokéball ici. Une autre Pokéball ici. Et là y'a un écran LED qui va diffuser nos affaires movie et nos logos, etc. Et là-bas, montre-nous Marie-Ange, la Pokéball. Elle est belle la Pokéball. Elle fait petite à la caméra, mais elle fait 1m80 je crois. C'est une sacrée glanche, hein. Là on va faire quoi là ? On va manger. Du coup les petits potes, on est au restaurant avec les boss. Il y a l'équipe là. Le montagnard. Ah, c'est beau. Miam miam. Toi t'as pris quoi ? Un quasi de veau. Qu'est-ce que c'est ? C'est un morceau de viande de veau. Quelle partie du veau ?
Je sais pas, mais c'est hyper tendre. Oh. Comme moi. Et toi, ça. C'est quoi ça? Ah, c'est du vide. Résume. On t'avait dit pour prendre ça, c'était bon. Oui, ça. C'est pas bon. Du coup, tu nous as rejoints? Eh oui. Tu t'es pas filmé avant? Bah non. Mais oui, je vous ai rejoint. Du coup, t'as 1h30 de route. Mais. C'est beaucoup trop. C'est long. Il y a beaucoup trop de virages ici. Ils adorent les virages. Non. Je préfère la ligne droite. C'est vrai. Pour s'accélérer. Alors, t'aimes bien? Caramel beurre salé, c'est la vie. Mon dessert. Ouais. Oh non, juste le caramel, hein, pas tout. Ah, j'ai un peu. Non. J'ai un petit poudre qui se prépare. Non, je fais quoi? Vas-y. Ah, dehors. Non, non, maintenant. Je filmerai mon pédale. Maintenant. On va pouvoir s'entendre. Bon, je suis désolé. J'ai pas le temps de péter. Voilà, je suis désolé. Par contre, on a fait un petit peu de route. On est arrivé à l'hôtel à Vannes. Et l'hôtel, franchement, il est super cool. Je vais vous montrer. Du coup, je vous montre la chambre. Et franchement, elle est grave stylée. Là, il y a des chiottes. Bon, je vais pas vous montrer parce que ça huppe. Je viens de Liège. Il y a Lorraine. Lorraine, bonsoir Lorraine. Alors, je vous ai montré la décoration. Après, on a mangé. Mais Lorraine n'était pas là. Non. Lorraine était où? Lorraine était dans la voiture. Ouais. Lorraine a fait 2h30 pour retourner à Paris. Et ensuite, Lorraine a refait 4h30 pour refaire Paris. Et là, on est bien. Ouais. Tout ça pour. Parce qu'on a oublié les tenues des filles, quoi. On avait oublié ça. Voilà, ça. Juste cette valise qui fait tout. Qui fait tout. Qui fait chaud. Et là, voici notre terrasse. Ah oui, on t'a pris une pizza. Heureusement. Ouais. Parce que là, j'en peux plus, là. Il n'y a pas de couteau, par contre. T'as pris la même pizza que moi. Ah ouais? Et je peux te dire qu'elle est vraiment. Pas bonne. Pas bonne. Ah ouais? Ouais. Tu verras, il y a de la crème au milieu. Fais attention parce que c'est peut-être ça qui m'a donné envie de chier tout à l'heure. Ouais, mais toi, tu donnes envie de chier. Franfa. Je vous montre la terrasse. Regardez notre petite terrasse. En vrai, c'est trop choupi. Je sais pas si les filles, ils ont ça. Parce que les filles sont juste à côté. Du coup, on va aller voir les filles. Oh, il y a des filles. Ça va, vous? J'avais pas le droit. Je savais pas qu'il y avait une poignée dehors. Ah, merde. C'est quoi ce qu'on entend? La douche. Elle se douche? Ouais. Oh putain, le con. Et bah, tout à l'heure, les filles. Ariange, il te reste 1h30 pour préparer. Non, mais je vais finir l'avant. Ouais. Reste comme ça en vrai. Ouais. C'est à l'extérieur. Il y a un bassin. C'est vachement humide là-bas. Oh, c'est le bassin d'Arcachon? Ouais. Putain. Oui. On est bien là, hein? Ouais. On est bien là. Ouais. Quoi? Il est grand le lit. Hein. La terrasse là. Ouais, il est grand. C'est joli, il y a un petit bassin. Ouais. Oh, oh, c'est trop cute. J'ai hâte de voir le jour. Elle ressemble à ça, votre chambre? Elle est tordue, la nôtre. Ah. Nous sommes de retour dans notre chambre. Ils viennent voir notre chambre. Elle est trop mignonne, votre chambre. Regardez le balcon. On a pas toute la même? Non. Mais votre lit, elle a l'air plus petit. Ouais, c'est vrai, ça. Attends, il y avait quoi par terre? Ah, t'as marché dans de la mousse. C'est quoi? C'est de la merde. C'est bizarre, non? Je sais pas. Mais c'est froid. Tu te régales toi, ma grande? Ouais, je mange, quoi. Bon. Salut les folles. A tout à l'heure. A tout à l'heure, on a 30 minutes de route pour aller à la boîte. Oui. Marion, je sais ce qui t'attend. Ouais, faut que t'ailles vite. Je crois qu'elle a compris. Je vais finir à voir. C'est si long que ça, préparer? Ouais. C'est Marion, je crois. Tu vois son pompon? Elle veut le diviser en deux. Et ça, c'est au moins 30 euros le pompon. 20 minutes le pompon. J'ai converti en euros. Ah, mais tu vas diviser pour pompon en deux? Ouais, j'ai dit. Je vais diviser. Ouais. Non, mais le divisement est rapide. Ah ouais? Ouais. Ça, on dirait que t'as deux têtes. Comment on dirait Voldemort. C'est quel épisode où il y a Voldemort qui a une tête derrière? Le deuxième, tu prends la pierre philosophale. C'est une pierre philosophale. Ok. Du coup, on a fait un jeu concours sur Instagram pour gagner des bonnets amazing. Et avec ça, on va leur mettre des stickers et peut-être une capote. Voilà. Du coup, on a 17 noms. Lorraine les a notés sur son application. Je sais pas si on voit très bien. Je vais faire une capture d'écran pour pouvoir le poster ensuite. Ok. Et là, on va. Ok. Tu vas en choisir deux. La machine va en choisir deux. Bah. Ah voilà. Qui est le premier gagnant? Ah! Qui Maïwenn. Maïwenn. Donc premier gagnant, Maïwenn. Et on va
jouer une deuxième fois. Ok. Pour le deuxième gagnant. Et Zebardi. Faudrait que ce soit un mec qui gagne. Et ben voilà. Un mec ? C'est Tristan. Tristan, bravo Tristan et Maïwen. Voilà. Waouh. Wow. Vous êtes à l'heure. Ça fait une demi-heure qu'il est là. Il est là, petit café. Il est en Jean-Jacques. Petit café. Il manque deux personnages. Il manque Ticu et Gaëlou. C'est ce que je lui ai dit. Lui, c'est sa première soirée. Il est dans un hôtel de ouf. Nous, des fois, on a des vieux Formule 1. Non, habite-toi pas à ce moment. Ouais, t'étais pas. Je m'adapte. Du coup, je vous montre notre hôtel de l'extérieur. Et en vrai, il est très sympa. Voici le van de Jérôme. Et on va direction la boîte de nuit avec l'équipe. Bonsoir, madame. On va où, madame? On va au LS. Et Zebardi, on va où, monsieur? Et Zebardi au LS Club. Oui, livre mort. Ouais, Superman. Comment ça va? Vas-y, 3, 2, 1. Et vous habitez où? On habite Elvin. C'est à 15 km de Serran. Ouais. Ok. Et vous êtes là tous les week-ends? Presque, presque. Moi, je suis à Rennes. J'étais là le week-end dernier, moi. Ah, t'es à Rennes? Ouais. Putain. Moi, j'étais là le week-end dernier. Je suis rentré exprès pour ce soir. Bah, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que t'es swag. Que t'es one life en fait, one que life, t'as une seule vie. C'est mieux ce que t'es. C'est mieux à vous, genre. C'est un mood, c'est un mood, c'est un mood. C'est un mood, en vrai, t'es dark un peu. On est bien, nous, quoi. On est bien. On est en Bretagne, bah, on est bien. On est bien. Bon, on se voit tout à l'heure dans la salle. On se voit tout à l'heure. Là, tu vas être stylé. Tu me rembourses, toi. Aïe aïe aïe. Amazing. C'est une marque de quoi? Là, c'est parfait. C'est notre soir. Wow. Et du coup, à chaque fois vous faites des soirées, c'est amazing du coup. Ouais. C'est classe. On est de retour en loge avec l'équipe. J'ai croisé des énergumènes incroyables dehors, super gentils. Marie-Ange, tu fais le maquillage? Ouais. Pas mal, hein? On a bien besoin. Montre-nous ton pull. Tu me gênes. Alors, ça, c'est exclu pour l'équipe. Devant, il y a le petit logo Tranquilux. Et de derrière, il y a le Hammer. Tu vas choisir quelle couleur? Rouge. Rouge. Et toi, c'est quoi? Ouais, je prends le Bordeaux. Le Bordeaux Chanel. Ouais. Et toi? Moi, le bleu foncé. Gaël, bleu clair, ça te va? Ouais, ouais, nickel. Et bah, faire que... J'arrive plus à parler. Let's go faire apéro. J'ai parlé le patois, j'ai le mec qui a pas de toi. Bon, les petits potes, on va où? Sur la scène. Sur la piste. Pour pratiquer la soirée. Le twerk. Ça va, Marie-Ange? Ça va. T'es prête? Ouais, ça y est. Ok. Là, il y a Darwin. Daria. Oh, mais j'aime bien Darwin. Il y a Gaëlou. Oui. Tu sais que tu t'appelles comme quelqu'un que je connais? C'est cool. Ouais. C'est cool. C'est chaud. Bon, les gars, on va y aller sur scène. Ça va être ouf. Ça va être incroyable. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es en rancho. Non. Nouvelle tenue amazing. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah, là, bien. Bon, les petits potes, on a fini. Enfin, eux avaient fini. Moi, au lieu de mixer 1h30, j'ai mixé 2h30. Tellement c'était incroyable, j'ai des plaques de verglas sur la tête, je suis tout rouge, je suis tout moche. Soit c'est la transpire parce que j'ai transpiré comme un petit porc, ou soit c'est la mousse, non, je ne sais guère. Il faut le dire, il faisait... Attends, me filme pas, genre, j'ai tout enlevé les fossiles. il faisait 28 degrés, 29 degrés à peu près sur le dance floor. Ouais. Voilà. Il faisait une chaleur isocèle. Vraiment, les gars,
Faut venir avec des glaçons, hein. Mais c'était vraiment incroyable. Là, on attend encore 10-15 minutes pour enlever toute la déco. Là, c'est la partie la moins drôle. Du coup, on se retrouve à un moment donné. Voilà. Vous savez ce que c'est le pire moment de la soirée? C'est quand les clients ils sont partis depuis une heure et nous on doit enlever toute la déco. Et ça, c'est chiant. Surtout dégonfler les Pokéballs. Les grosses Pokéballs, elles sont trop chiantes. Ouais, c'est vraiment fatigant. Ouais. Tiens, alors cette soirée. C'était incroyable. C'était bien. Hein. Ils sont déjantés. Les Bretons, c'était ils sont malade. Vraiment fifous. Hein. C'était malade, franchement. C'était sympa. Ouais. Et toi, Maria, qu'est-ce que tu pensais? Moi, j'ai kiffé. J'ai encore plus kiffé que la première fois que je suis venu. C'était beaucoup mieux. Et vraiment, les Bretons, c'est le meilleur public de France. Merci pour la soirée, Roby. C'était une très bonne soirée. On s'est bien amusés. Les gens sont bien amusés. Qui es-tu dans la boîte? Parce que je t'ai pas présenté. Je suis un peu le Joker. Voilà, le Joker. L'huile, c'est en sorte que tout coulisse bien, quoi. C'est vrai que le lubrifiant. Il s'est très bien occupé de nous. Et l'équipe, on va parler. T'es un bon petit gars. Oui. Merci. De rien. Non, mais j'ai passé une vraiment bonne soirée. Ouais, avec vous, ouais, vous êtes cool. Vous êtes cool. Il y a personne qui se prend pour ce qu'il n'est pas. Et... Ouais, parce que nous, on s'en bat les couilles. Ouais. Mais s'en battait les couilles, mais c'était carré, c'était bien organisé. Non, donc on s'en bat les couilles, mais pas trop. Ah, tu verras le vlog, je sais pas si t'es au courant, mais on a oublié des affaires à Lyon. On a dû faire demi-tour. Oui, je sais, demi-tour. Mais... C'est ça, quoi. Il y en a, ils s'en seraient foutus et. Ouais, mais non. Bonsoir. Bonsoir, nous sommes avec un videur de boîte de nuit, c'est ça? Effectivement. Toi, t'étais où ce soir? Dehors, dedans? À l'entrée. À l'entrée. J'ai essayé d'écrire combien de personnes? 780, je crois. 780? Mais c'était. Après, plus, c'est trop. On peut faire plus, mais bon, c'est moins agréable pour les clients. Ouais, c'est vrai. C'était vraiment trop trop bien. Oh, c'est une bonne ambiance les, ensemble. Les gens sont cool et c'est tout. Réactif, et... C'est réactif, ouais. C'est réactif. Ouais. Et bah, peut-être à bientôt, j'espère. À bientôt, avec plaisir. Au revoir. À bientôt. C'est bien. Viens. Nous sommes avec Serge. Serge, le patron. Ouais. Le DJ aussi. Qui... Oui, en même temps. Qu'as-tu pensé de la soirée? Alors. C'était la folie quand même. C'était très. Franchement, normalement, je mixe une heure. Et ça me saoule parce que des fois c'est pas fou. Là j'ai mixé combien de temps? 2h30? 2h30. Et encore je voulais un peu plus, mais c'était la fin et je suis dégoûté. Ouais, il fallait qu'on faudrait fermer à 9h le matin. Non. Toujours plus, hein. Non, j'étais l'enfer. Tous. Les filles, tout le monde. Oh, c'est trop gentil. Et moi j'aimerais avoir un retour de Christelle. Oui, ah oui. Oui, alors, ça c'est très important. Christelle. Christelle, viens. Viens, on va la voir. Oui, mais Christelle, Christelle. Je ne l'ai même pas vu, en fait, j'étais en voiture. Christelle. Oui. Alors, qu'est-ce que tu pensais de la soirée? Eh bien, écoute, ton argent l'a placé. Eh bien, écoute. T'as trouvé ça enrichissant. Écoute, je fais confiance à Serge. Je pense que s'il me dit que c'était bien, c'est que c'était bien. Ouf. Je vais pas te dire que j'ai rien vu, mais en fait, j'ai rien vu. On t'a vu faire des allers-retours? Ah non. J'ai fait un aller. Non, j'ai fait juste un aller vers le lit et après, j'ai pas fait de retour. Ah, tu t'es couché? Oui, j'ai dormi 3 heures. Ah oui, mais elle dormait à côté. C'est pour te dire dans l'état qu'elle était. Quoi. Non, j'étais déjà... D'où Jésus, Mary Poppins. J'ai fêté les 40 ans de ma petite sœur et j'avais ma grande sœur. Est-ce qu'elle a kiffé? J'en sais rien. Ah, d'accord. Mais par contre, ce qui est incroyable, c'est que Christelle a dormi vraiment que la durée du show. Parce qu'elle est sortie à la fin du show. J'ai dormi de 2h à 5h. C'est un peu ça. Mais par contre, dès qu'il faut compter la caisse... Par contre, ça c'est un peu... Elle se réveille. Elle se réveille. Impeccable. Et toi, t'as kiffé? J'ai adoré aller coucher ma patronne deux fois dans la soirée après que son mari soit allé la chercher. J'adore les Bretons. Ah non, c'est moi qui l'ai couché la deuxième fois. Non, il y a eu trois fois alors, parce que j'y suis allée aussi une deuxième fois. Et elle me disait, je dirais pas à Serge, mais c'est mort. Tu veux les payer? Nous, nickel. C'est vrai, c'est sûr. Ouais, on a kiffé. On a kiffé. Oh, ah ouais, là, c'est nickel, moi je suis prête à recommencer, moi. Ouais, elle va faire un jacuzzi tout à l'heure. Ah, mais je suis prête à recommencer, moi, c'est bon. Ah, allez, ouais, les filles, viens, on y va. Vous allez danser. Allez, on va se changer, on refait le show pour Christelle. Bon, nous, on va se coucher. Ouais. À bientôt. Bonne nuit. L'hôtel, ça vous va? Des bisous. Bon, les petits potes, on est de retour à l'hôtel. Là, ce qu'on attend, c'est le petit déjeuner qui est à 7h30. Il est 7h.
Je pense qu'on va attendre une demi-heure, ça va être très dur. Mais avant tout, j'ai quelque chose à vous dire. J'arrive pas à péter, c'est bloqué. Bon, on se retrouve au petit déjeuner. Bon les gars, est-ce que j'ai filmé le petit déjeuner? Non. Est-ce que je suis un connard? Oui. Bon, là ce qu'il faut faire c'est rendre la chambre. Il est 13h, ils sont super cool l'hôtel, ils nous ont laissé une heure de plus. Ce qui fait qu'on a dormi 4h, on est mort, là faut qu'on aille à Paris. Et let's go hein. Bon, Lorraine elle est déjà partie. Là, je vais rassembler mes petites affaires et après on va les rejoindre dehors. Bon les petits potes bretons, on va goûter vos crêpes. On verra ce que ça donne. Tout le monde va vous juger dans le van. Hein Marianne, tu les juges? Ouais, je juge. Lorraine? Ah, moi je juge rien, non, toi, j'ai promis moi. Ah ouais. Mon Gaëlou, tu jugeras aussi? Ouais, direct. Trophée. Bon allez, c'est parti. Ok. Déjà, à première vue, il y a un peu de, un peu de chocolat. Un peu des crevards de chocolat. Voilà, bon, elle est froide, donc ça va pas être ouf, mais il faut que je croque dans le chocolat. Ah, froid, c'est pas ouf. Hein. Ah ouais, ouais. Une note sur 10. Le chocolat est bon, je vais dire 5. Ah, ça va. Nous allons tester les crêpes au caramel. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est une crêpe au caramel. Pas mal. Okay. En vrai, c'est mieux chaud, quoi. Ouais. C'est meilleur, en vrai. Ouais. Une note sur 10? 7, parce que c'est froid. Ouais. Bon, bah voilà, on est enfin rentré. Il est 21h. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On a passé un très bon week-end en Bretagne. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, mettez en commentaire j'aime le cidre. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, très important, et partager sur toutes les plateformes. Je peux dire quoi d'autre? Je te dis rendez-vous la semaine prochaine. Ah oui. Tu fais un blog la semaine prochaine? C'est Very Man Game. Oui. Rendez-vous le week-end prochain. Non, tu l'as publié quand? La semaine prochaine. C'est pas grave, rendez-vous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau vlog. On sera à Mâcon pour une Very Mad Girl. Voilà. C'est bien. Et ta main?